Bonjour à tous, ici Diffus. Et c'est reparti pour un tout nouveau let's play sur Alice Madness Returns, ou dans la langue de Booba, Alice, retour au pays de la folie. Directement dès le début, je tiens à m'excuser pour la qualité du micro, mais ma carte son externe, je n'ai toujours pas reçu ma carte son externe, et théoriquement je la reçois demain, donc aujourd'hui pour vous qui regardez cette vidéo, et donc théoriquement à partir de demain, ça devrait aller mieux au niveau de ma voix. Voilà. Et donc voilà, c'est parti pour faire un let's play que j'attendais, que je voulais faire depuis pas mal de temps. Depuis la sortie du jeu en fait. Et je commence ça que maintenant. Voilà, en 2011 quoi. Donc c'est un jeu développé par Spicy Horse, qui est une boîte chinoise je crois, si j'ai bien tout lu si je dis pas trop de conneries, et qui a été édité par Electronic Arts. Tac. Donc oui, j'ai fait les petits paramètres, j'ai fait rentrer les paramètres vite fait avant de commencer. Donc oui, mon profil sera Tiffy, pourquoi Tiffy? C'est parce que j'incarne une fille dans ce jeu, donc voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc configuration c'est fait théoriquement, je vais quand même revérifier au cas où dans le doute. Audio... Voilà, toujours la voix un peu plus au-dessus, parce que j'aime bien la voix. Avec les sous-titres, parce qu'il y a beaucoup de chances que je raconte des conneries pendant le jeu. Et pendant la cinématique aussi. Ça, théoriquement, ça devrait peut-être le faire. Après, je pourrais peut-être changer un peu ça au niveau de... Si c'est un peu trop clair pour moi. Et le jeu est jouable à la manette, ce qui est trop cool. Donc du coup, pour la synchronisation vidéo, 1, 2, 3. C'est parti. À choix les difficultés. Sachant que j'ai jamais joué à ce jeu-là... On va faire ça en moyenne, quand même. Ah, je me suis fait chier à faire ça pour rien, au final. Ajuster le niveau de gamma, de façon à voir les 4 symboles. Moi je vois les 4, ça serait... Là aussi je peux le voir, mais c'est un peu bof quoi. Bon allez, on va laisser ça comme ça. Inverser l'axe Y... Non. Non mais oh. Rassemble tes souvenirs et chéris-les, quel qu'en soit le prix. C'est rassurant. Merde, j'espère que j'ai bien synchronisé au niveau du son quand même. Le temps n'est pas le seul ennemi de la mémoire. Et ouais, Alzheimer, c'est... Maman disait que les secrets ne restaient pas si l'on en parle. Oula, la grande rue porte la mine. Ça c'est... Il passe vite ces phrases-là. Ça est bizarre. Tac, tac. Suspense. Des clés partout. Pour accéder au coffre. Voilà, là, c'est plus des clés, hein. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Bonne ambiance. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Impossible. Prise au piège. Dépassée. Sergent, cette fille est blessée. Appelez un docteur. Est-ce qu'elle va survivre? Oublie cette illusion. Oublie-la. Retourne. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien, Alice, où es-tu? Je navigue avec un ami. Je suis différente. Sympa comme style graphique quand même. J'ai changé. C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de l'oubli. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Non, y'a plus de café, y'a plus de café. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est pas du café qui manque en fait. Ah oui, je préviens, il y aura beaucoup de sang en fait. Enfin, je crois. La bonne ambiance! Un poison! Il veut ma mort! Ce pays est en ruine! Comme mon esprit! Oublie-le, il s'enfuit de rêve. Je te signale, prêt à tout. Bon appétit! J'espère que vous ne mangez pas devant cette vidéo quand même, ce serait dommage. Bien, Alice. Ah, le monde réel. J'ai un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine.
C'est normal, Alice. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je voudrais... te rappeler autre chose. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre, Alice. Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit tant de fois et... Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Ou alors faut choper Alzheimer. Très bien, docteur. Je pense que c'est gratuit comme truc, ça. Et puis t'oublies un peu tout. Bon, forcément, tu choisis pas ce que t'oublies, mais... au moins t'oublies. À mon tour d'oublier, Alice. Bien. Mais j'en suis ça. Fier. Oh putain, la tête qu'il a. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Bon, pour il faut oublier tout ça. Eh, hey, mais c'est la bonne ambiance ici. Plus de passé, Charlie. Oublie j'ai retrouvé Charlie. Femme, oublie ta famille, elle n'a jamais existé. Tout va bien, Charlie. Vois-tu? Enfin, si on récite, on peut écouter le truc. Écoute, c'est fini. Déjà? Bon bah, ok, d'accord. Donc, bah, nous voici dans le jeu. Et donc, au passage, j'ai pas joué au truc d'avant, donc c'est Alice McGee, je crois, si j'ai bien tout compris. Excusez-moi, ça a planté. J'espère que c'est pas à cause du fait que le jeu est trop vieux pour mon PC. Enfin, j'espère pas en tout cas. Enfin bref, donc comme je disais, j'ai pas joué au 1. Et au passage aussi, vu que j'ai changé de portable, et ben celui que j'ai n'a pas de chronomètre apparemment. En tout cas, j'ai pas réussi à le trouver. Donc du coup, pour les épisodes, bah ça va être en mode à l'arrache. Boys room. Enfin, ils ont pas assez d'argent en fait. Ils utilisent des feuilles de papier pour mettre les trucs. Il m'a pas assez. Ça réveille. Ah, oh, la tête de Frankenstein. J'adore la déco dans le coin. Les cabinets refoulent. Plus que ta chambre. Ouh, ça parle mal. Encore. Où est la porte? Je suis la seule à être bien formée ici au niveau du visage. Ou... parce que là, je veux pas dire... ah non, mais il y a aussi le docteur. Girls room. Appuyez sur reste pour attraper la dialyse. Ouais, enfin, ce que tu vois, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus beau ici, en fait. Et en fait, ouais, je voulais jouer à ce jeu-là, depuis pas mal de temps, en fait, parce que, du coup, oh là, Marelle, la chose, tu peux pas sauter. Je voulais jouer à ce jeu-là parce que, du coup, et toi il est super sombre. Et c'est, je sais pas, c'est un truc qui m'attirait pour ce jeu-là, je sais pas pourquoi. Et puis, je crois qu'au niveau du gameplay aussi, me semble-t-il que, bah, c'est un truc d'action, donc, pour le coup, ça peut être sympa. On peut pas ouvrir, apparemment. Sans mère, sans relation, une orpheline. Bah, sans père aussi, pour Monsieur le coup. Monsieur Payne dit que l'on n'est jamais mieux que chez soi. Eh, c'est ma chambre. Sans mes dessins et cette photographie, on se croirait dans ma chambre d'hôpital. Bah, ouais. Cette photographie de ma famille a été envoyée par la poste. Aucune adresse ni signature, j'aimerais remercier de Victor en personne. Ah, la manette peut pas fermer ça, génial. Allez, hop là. Heureusement, j'ai la souris juste devant moi. Ouais, c'est des beaux dessins. le chapelier fou, c'est l'air sympathique, une tourelle qui a l'air un peu méchante, mais c'est tout, ouais, c'est le truc de gamin et tout. Et là, violence. C'est super chouette. Bon, on va se casser d'ici. Je vais aller chez l'apothicaire. Enfin, j'espère que j'ai dit... ah, c'est mon choix. Elle est bonne pour l'asile. Je vous emmerde. Mon chapeau si elle est saine. Ma bonne app alors. Son ami est mort. Qui en voudrait? Eh ben c'est vraiment bonne ambiance, orpheline. Non, pas bon, c'est par ici. C'est super ambiance. Un autre jour? Un autre rêve peut-être? Je suis pas un numéro. Je suis pas content. La gueule des gens quoi. Et là on retrouve après le monde civilisé. Le travail, c'est la santé. Ouais, on va dire ça. Ah ouais, on va dire c'est avec toutes les bouteilles qui traînent par terre, on va dire que c'est le monde civilisé. La meilleure chevaucheuse du pays. La meilleure chevaucheuse. J'espère qu'il c'est pas un truc spé... enfin, y a pas un double sens là-dessus. Et ses dents trop bonnes pour nous voir. Elle n'approche pas. Le train du marchand de sable lève les voiles. Ses sièges mouillés, ses roues en étoile. Vite, mes petits, ne craignez rien. L'homme dans la lune est le mécanicien. Ok. T'as l'air hypnotisé par ton mur, toi, par contre. Ouais, bah, sinon, peut-être que vous jouez à cache-cache, t'es en train de compter, je sais pas. Oula, non. J'aime bien le style du gosse.
Avec le chapeau qui fait trois fois sa tête. Un chat! Chopez-le! C'est de la sorcellerie, c'est téléporter ce con. Beaucoup de doigts. Va-t'en, gamine. Fous le camp. Bonjour, madame. Et on dit s'il te plaît, espèce de malpoli. Bon, elle dit rien, elle sait les mégères du coin, je pense. À moins que ce soit toi. Ok, plus personne ne dit rien, c'est génial. La bonne ambiance. Le chat, il s'est téléporté. J'approche presque, je vais mourir. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est, je observais écouter les conversations des coins, mais apparemment. Là, je parle et ça fait rien. Voilà. Là, je continue, là, je monte des choses, il n'y a rien. Et il n'y a rien, et il y a toi, et c'est tout. Petit chat, minou minou, n'aie pas peur. Il s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles, je me casse. La vie est à moi. Ouais, la bonne ambiance, cette ville. Reste pas là, Alice, j'ai arrêté des gens moins fêlés que toi. Je t'emmerde. Apparemment, je suis détesté, je suis à Fada du coin. Oui, emmène-moi dans une rue. C'est quoi ce labyrinthe là? Emmène-moi dans une ruelle sombre, je te dirai rien. Ouais. Où est passé ce chat? Je m'en fous du chat, ça sent le piège. Nous finissons tous par mourir, mais je ne m'habitue pas aux charognes. Ah là là. La bonne ambiance. C'est à casse-toi, je te dirai rien. Ouh là là. Ah! Comment tu fais pour vivre? Ah, sérieusement, quoi, fais gaffe, hein, si t'avales une pomme, tu risques de t'étouffer, meuf, hein. Oh là là, le design, quoi, des... Tu veux du boulot? Marre de tes couches? Vaut mieux ça qu'être la souillon de l'orphelinat. Mm-hmm. Tu pourrais soulager des gens, rendre heureux, pendant au moins... Non, je ne peux pas devenir une péripatéticienne. Oh là là, non, mais c'est même pas ça, c'est même pas un corset qu'elles ont. Ouais. Très bien, allez au diable, je suis trop cher. Salut, chat. Je veux venir chez un petit cœur. Suivre les boules de poils dans leur tanière, c'est peut-être bizarre. Ah, c'est pas qu'un peu bizarre. Là, 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 ça rame un petit peu. C'est mon PC qui est en train de mourir, je crois. C'est chouette. Pom 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 pom. It's a trap. Alice, casse-toi d'ici. C'est la misère. Le chat veut ta peau. Les chats sont démoniaques. C'est pas un chat, ça. Monsieur, vous êtes pas un chat. Vous avez mangé les minous? Oh putain, ils ont mangé les minous! Oh, par mes jarretières, Alice Liddell. Toujours dans la misère? Autant que toi, je pense. Bonjour. Les misérables se croisent. Vous êtes toute seule? Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien? Et vous êtes bien rouge. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Je pense pas vous buvez que de l'eau. Magnifique, comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. It's a trap! Elle a bouffé le chat! Toujours folle. C'est pas étonnant, elle a vu les siens grillés vivants, comme des marrons. 10 ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs... La garce. Oh, quel ennui. Je mérite bien sa gratitude, non? Qui donc l'a habillée? Qui donc l'a placée chez Bumby? Où serait-elle sans moi? Dans la rue, avant de ses fesses? Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or, mais le mien vaut moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, putain. Mon ami juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est une connasse. C'est une garce, hein, c'est... Voilà, y a pas d'autre mot.
Bon, enfin, tu sais, c'est, enfin, ouais, c'est la gamine qui, c'est une gamine qui dit, ouais, je les ai tués, c'est de ma faute et tout. Enfin, c'est une gamine, elle sait pas forcément vraiment ce qu'elle dit. Les pigeons! Un pigeonnier n'est jamais qu'une cage, mais Zozo ne se soucie pas. Ouais. Tu cherches un peu de poésie dans ce qu'il vient de dire, non. Ah, c'est vraiment que je me casse de ce... LT. Quoi, LT? Ah, c'est pour admirer le paysage. Ouais, ça vaut le coup hein, d'habiter ici, hein. C'est bonne ambiance. Hein. Infirmière, voulez-vous me blesser en me renvoyant à l'hôpital? Ne me tentez pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. Ah, et j'avais dîné. J'ai si soif. Et bois pas que de l'eau. Que je boire dans la famille. Oh putain, c'est reparti. J'en ai trop pris, sérieusement là c'est... Comme ça. Magnifique. Comme what the fuck? Je parlais d'une vieille. Sa famille est morte. Rien de plus qu'un rêve. Pollution. Corruption. Oui. Elle arrive. Il se passait des choses sous sa jupe. Je crois qu'il y a un trou noir. Le petit costume d'Alice. Sauf que moi, je suis pas blonde. Hihihi. Les souvenirs t'aident à reconstruire le passé. Oui, c'est un peu le principe des souvenirs. Parce que les souvenirs sur l'avenir, j'en ai encore pas vu. Mais je pense que c'est pas mal. Bah, sympa le style. Les taches de sang, la tête de mort derrière, le collier fer à cheval. Des dominos à Tetris. Ah non, c'est des dominos aussi. Ah, j'ai déjà passé le vieil en... Quel en allant je sais pas voyage. Où. Enfin, j'ai pu ce mépris, ou ce qu'elle est devenue. Au moins, cet endroit me rappelle quelque chose. Bah, c'est le pays des vermeils. C'était grand temps, Lida. Maudit chat. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Lidl. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Ça ne m'aide pas. Mais tu sais que je peux. Je sais me faire peur, toute seule. Ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Raide comme sa justice. Très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû me renseigner qui c'est que j'ai buté dans le truc d'avant, en fait. La 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 la. Je sais pas pourquoi je vais venir par là, oui. Pour, je sais pas, peut-être pour voir la fleur. Non. Ok, y'a rien. Yeah. Ok, alors. Tac, tac, tac. Bon, de toute façon, je sais pas ce que je cherche à faire, mais en fait, parce que pour le coup... Attends. C'est moi où j'ai plané, là, pendant un certain temps. Bon, ok. C'est juste mon imagination, en fait. Oh! Tu es française, Alice, c'est sûr. Une vraie grenouille. Oh, les préjugés. Oh. Appuie sur A pour sauter. Ouais, je pense que j'ai remarqué. Attends, c'est des billes. J'ai l'impression que je vais plus vite en sautant. La 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 la. Ouais, c'est bien des billes, hein. Avec des grosses limaces dedans, mais c'est des billes. La 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 la. Sympathique l'ambiance. Ok, là je suppose qu'il y a rien. Si? Non, il y a rien. Ok, on passe par ici. Youhou, j'ai complètement foiré mon saut. Ah, moi je vois qu'il me gratte. Du côté de mon micro en plus. Boing. Ouais, un mini jeu de plateforme. Ya ya. Ça passe. Ya. Mais. Sorcellerie, il a disparu. Enfin, où elle a disparu. Si tu sautes encore de la table, tu vas me faire mourir, Alice. Tu es beaucoup trop imprudente, ma petite chérie. Ah, les souvenirs. Oula, oui, les souvenirs. C'est parti, oui, champignon. Attends. Je fais ça. Ah, double saut, d'accord.
tympan. Tac. Ah, il y a un double saut. Monsieur Génial. La manite tue-mouche, Alice, est un champignon dangereux, d'une belle apparence, mais venimeux. C'est quoi ces souvenirs qu'elle a ? Des fleurs tripoteuses. Tac, 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 tac. Alors, penchez pour observer. Ah ! Il n'y a plus le bouton, la touche ! Le bouton ! Il y a un piège quelque part. J'ai déjà pris ce chemin par le trou de la serrure. Même si l'on n'a pas de costume de bain, le plongeon me semble inévitable. T'as l'air un peu maigre, mec. Oh non! Je réduis dans la potion! Vais-je disparaître? Bientôt, mais plus terre à terre, tu pourras voir des choses qui autrement serait invisible à la grande toi-même. Ah, je comprends. Enfin, l'arbre voit la forêt, mais pas ses propres branches. Finalement, la taille n'est qu'une question de point de vue. Voilà, c'est la dernière fois, je suis d'accord. Par contre, à l'autre phrase, il sait pas trop. Maintenez. Attends, c'est quoi ce bug? Ok, il y a une barrière invisible. Ta 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 ta. Ah, attends, faut vraiment que je me maintienne jusqu'au bout, en fait. Utiliser la mini-sensibilité lorsqu'elle est précise. Elle est ok. C'est quoi la mini-sensibilité? Ah, d'accord, je peux faire ça quand je veux. Ah, je crois que je vais rester au côté du truc. Oh, comme elle a rétréci. Si petite, elle n'est plus rien qu'un rat dans son trou. Lol, qu'est-ce qu'on se marre? Tu parles des souvenirs qu'elle a, quoi? Je sais pas, elle a pas eu une enfance heureuse quand elle était petite avant que ses parents meurent? Oui, parce que sinon... Qu'est-ce qui se passe? Ok, je récolte des dents. D'où cette fleur avait des dents? Tada! Attends, mais... Oui, c'est un escargot, oui. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, bah, j'oublie l'heure, moi. Allez, il faut vraiment que je fasse attention à l'heure, moi. Tac, 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 tac. Transformation! Oui, donc là, je tournerai qu'un seul épisode, parce que vu la qualité du micro que j'ai... Voilà. On va plutôt éviter de faire plus d'épisodes. Quitte à avoir une... Enfin... Je préfère avoir une qualité un peu mieux au micro que tourner un autre épisode en plus, quoi. Sauf si vraiment, j'ai pas de chance demain et que je reçois pas mon truc. Oui! Je voulais pas sauter aussi haut. Un toboggan! Ouais! Ta 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 ta. Je sais pas quelle musique j'entends planter. Ta 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 ta. C'est quoi une dent en or? C'est qui voit 10 ou 5? Plus vite! Qu'est-ce qui se passe si je prends l'escargot? Ah, mais j'aurais dû le prendre en fait. Je pensais que c'était un truc à éviter, mais en fait non. Yippie. Yippie kai. Si je passe par là. Ok, on peut pas. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. LT. C'est un cadavre. Avec un tuyau dans le dos. Avec deux tuyaux même. Le vorpalin perd ses tranches, toujours prêt à terrasser la bête. Oh, le couteau de boucher de môme dans My Geek Office. Sorcellerie! Je ne suis pas venu ici pour me battre. Vraiment? C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi. Donc c'est bien, c'est dans un monde où je suis folle, dans l'autre je suis une tueuse. C'est génial. Père ses tranches, flaque vlan, il terrasse la bête. Les glaives va pas là, les meilleurs armes au corps à corps. Ok, j'ai quand même contre des monstres à trois têtes qui ont trois bras et ainsi que deux tuyaux dans le dos. Appuyez sur X pour les avoir. Yeah! Va casser toutes tes coquilles! Et récupérer quelques souvenirs. Tu dois choisir entre fuir et te battre. Mais la fuite ne fait que reporter le combat à demain. Choisis bien tes batailles, Alice. Ah quoi, j'ai des PV, j'ai des... Oh, les PV, c'est des roses, chamagnon. Tarotarotou! Aïe, t'es guidou!
C'est bon, il a dit. Ah non, non, le squelette a disparu en plus. Oh, un méchant. Ah bah oui. Ah non, mais il y a pas trois têtes. Ruine insidieuse. Isop de Gadou. Appuyez sur LT pour concentrer sur un vie. Fight. À plusieurs. Ah bah, je t'ai cassé. Ah, on joue au football. On joue au football. D'accord, d'accord. Appuyez sur RB pour esquiver. Cool. Esquive, non, aïe. Ok, faut que je prenne le truc en main. Papillon de lumière. Esquive, wallé. Affreux, gras et méchant dans une même abomination. Tiens, tiens, ça t'apprendra une tête de bébé. C'est stylé. Allez. Oh, je vais faire ninja. C'est stylé comme moine ce téléporté. Attention, 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 attention. Ninja. Papillon de lumière. Allez, un petit souvenir génie. Les fleurs aspirent à être simples et constantes. La raison d'être des hommes est changeante. Car esclaves des souvenirs, les souvenirs doivent être maîtrisés, Alice. Ceux qui sont inutiles doivent être éliminés. C'est toi qui es inutile, bâtard. Parle pas de mes souvenirs comme ça, sinon je te marave. Lors d'un saut, appuyez et maintiens un bar espace pour faire flotter Alice. Pour plonger le flottement, appuyez de nouveau sur... appuyez de nouveau et maintiens un bar espace lors d'un saut. Ok, donc attends. Ok, d'accord, en appuyant sur... Oui, moi, bah, je suis à la mettre de Xbox, donc du coup, faut que j'appuie sur A. Tu peux flotter plusieurs fois pendant un saut. C'était pas plusieurs fois, mais bon, laisse tomber là-dedans, ça va peut-être pas le coup d'essayer de mourir un peu pour essayer de la récupérer. Rien d'intéressant par ici, on se casse. Ah, des trucs à casser. J'ai pas vu que ça redorerait, je préfère le prendre en dernier. Ramasser la bouteille. Ça fait quoi, la bouteille? Il y a bouteille ramassée, d'accord, en fait, c'est des trucs à ramasser pendant les... D'accord. Attends, je peux sauter? Attends. Ah oui, si, que je peux quand même esquiver en sautant. Ramasser la bouteille, d'accord. En fait, ouais, c'est génial. C'est génial, je ramasse des trucs, je sais pas à quoi ça me sert. Non, y a rien à faire, y a plus rien à faire de ce côté-là. Ouh! Oulala! Apparemment, les êtres ici sont moches aussi. Alice au pays des moches. Ah, encore toi, Alice. Approche donc. Pourquoi le ferais-je? Vous voulez me manger? Oui, en fait, non, j'en ai assez. Des filles aux drôles de goût. Mais arrêtez avec moi! Cochon. Je parle de l'art et la manière, tu comprends bien sûr que oui. Oh oui, l'art et la manière. Bien, tu vas mettre ton groin de sel. J'entends mon repas là-dessous, trouve-le pour moi. Mais prends garde aux pestes qui bloquent la voie. Assaisonne-les s'il le faut. D'accord. Je pense que tu es la parfaite vaisselle et cervelle pour cette tâche. Ce moulin te sera très utile. Et pourquoi je t'aiderais? Vos propres jambons, alors. Question de priorité. Ma peau d'albâtre doit rester assez peu appétissante pour les créatures des environs. T'inquiète pas, moi je risque pas de te manger. Bien, tends ton oreille à tous les grognements, puis vise le groin. Tu devrais aimer ça, tout comme moi. Mm-hmm. C'est quoi ces provisions pour... Et pourquoi je t'aiderais? Ya, on va y piquer des trucs. Attends, je pète du bois. Je l'aurai à l'usure. J'aurai l'usure. Bon bah je crois que je vais m'arrêter au... Non, bah, il reste encore une minute. Bon allez, le premier épisode va pas durer masse longtemps non plus. Bon, je pense que ça s'ouvre seulement si je prends ce truc là. Donc on va le prendre. Vous avez obtenu de la duchesse le moulin à poivre édition cochon. Assaisonnez vos ennemis, préparez des groins corsés. Mm-hmm. Alors à l'instinct, c'est pas ça, à l'instinct, c'est ça. Oh. C'est génial. Je pense que je vais aimer cet objet. Donc ça, pour passer un mode comme ça. Ok, donc je vais commencer à m'y faire avec les touches. Ah, apparemment je peux le surcharger.
Attends, qu'est-ce qui se passe si j'attends le bout? Ah, il s'est enrayé. Ma pauvre IA s'est enrayé. Bon bah voilà. Sur ce, bah, je vais arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette idée de let's play vous attire. Parce que moi du coup, je pense que je vais m'éclater à jouer dans ce jeu-là. Enfin, j'espère en tout cas, parce qu'il m'avait l'air vachement bien. Donc voilà. Donc c'est parti pour faire un let's play là-dessus. Dans pas longtemps, il y aura une vidéo blablatage. Donc histoire de mettre au point l'avenir de la chaîne, etc., etc. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, si cet épisode vous a plu, laissez un petit pouce vert, machin. Et sinon, bah, sur ce, vous pouvez toujours vous abonner, sinon, dans tous les cas. Et sinon, bah, sur ce, à plus. Touche à touche à...